Yo tout le monde, c'est Blackheart, j'espère que ça va. Bienvenue sur Arma 3 pour la dernière mission de la deuxième saison de notre campagne Menzur. Aujourd'hui, on incarne les troupes tchécoslovaques. Grâce à la tête de pont établie par les Cubains dans l'épisode précédent, les troupes d'infanterie et les blindés avancent vers Georgetown, la capitale de Tanoa, avec pour objectif de capturer la ville et de mettre fin à la guerre. C'est tout pour moi, et je vous souhaite un bon visionnage. Unité de péracunité, on vient de débarquer notre véhicule, on va se mettre en route pour aller vérifier le premier bâtiment que vous avez désigné pour pouvoir occuper la station service. Donc on engagera d'ici quelques minutes. Par la gauche, ils se font éclater là. Tango, il m'entend quoi. Restez ici. Oui, tu m'entends? Ouais, allez. Je m'entends. Au fond, on va continuer par le côté gauche de la station. Avec nous à gauche là, dans la pampa, mais je ne sais pas s'il y aura grand chose. Si tu veux continuer, ils se font éclater, ouais. On va faire. Bon, suivez-moi, regardez bien le côté du port, d'accord? Ça se fait aller.
Oh là, bâtard, tu vois rien pour l'instant, toi non plus. Alors, on va battre le rempli. Oui, vas-y. 30 secondes. Normalement, le bâtiment en face est occupé. Pas de visuel d'ici. Vous êtes revenu balayer le bâtiment, il est clair. Bon, il est parti tango. Enfin, revenez sur la barrière. Ouais, Blackheart, ouvre-nous et avec balayer l'escan, on va aller jusqu'au bâtiment. Vous n'engendrez qu'en vous là-bas, ok? Le mec là-haut, on le flingue pas d'abord. Ah, bah si t'as vu le mec. Ah, bah, il était pas là tout à l'heure, lui. Ouais, il y en a même deux. Bon, mais vous les voyez, les mecs, en haut? Ouais, je vois celui qui est au coin là. Vous pouvez prendre des tirs, allez-y. C'était en haut. Il y en a encore un en dessous. Je vois pas une branche d'arbre. Il y a pas non plus en dessous. Ah si, attends. Non, je crois pas que j'ai eu. Attends, mais je peux prendre le tir là. Faire pas. Il était où? Ouais, il m'a dit en fait. Fais tuer une branche d'arbre. Ah ouais, non. Oh, il est parti dans vous, c'est chiant. Que je suis mort. Je suis en radio avec, hein. Ouais. Ah, demande-lui de se mettre dans l'axe, dans le. Comment dire? Dans le coin de la station service pour voir le bâtiment qu'on attaque. Du côté des barrières, si tu veux. Là où on est passé. Perak unité de Perak 2. Perak unité, on est dans le coin nord-est de la station service, hein, à l'assaut des bâtiments. Est-ce que t'as moyen de te mettre relativement safe en enceinte de la station pour pouvoir nous trouver quand on traversera? D'accord. C'est pas dans l'enceinte, c'est à gauche, c'est dans l'air. Directivité limitée, c'est quoi dans la pompe, dans l'air, dans le nord, car c'est du bel. On y va, il n'y a pas l'air d'avoir trop de menaces, hein. Thank you.
monde dans les bâtiments jaunes. Ouais, je trouve ta gauche. Yes. Il y a du monde dans le bâtiment jaune, enfin, avec qui essayer de sortir. Limite, est-ce qu'on mettrait pas de Tango et le blindé dans le, la forêt à gauche là. C'est sur la route. Ouais, c'est que sur la route, il sert à rien. Ah, il sert à rien. Les bateaux dans le rond-point. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, il y a 5 morts dans les buissons, c'est clean devant vous. Ok. Hein? Quel mec? Non, j'ai dit les buissons devant vous sont clean, il y a 5 morts dedans. Thank you.
pour ça que je vérifie avant qu'on traverse. Moi il est mort. C'est bien, le char c'est comme ça qu'on fait. Un camion c'est. On peut y aller, ouais. Bon, le char du coup, à droite. Avance un peu, ça avance. Vas-y, vas-y, doucement. Doucement pour prendre la ligne sur la route. Avance à gauche. On va checker le temps ou pas après que... Ouais, on va aller faire un tour une fois qu'il est en position. Le bâtiment à droite, là, il a été checké parce qu'il avait essayé des ennemis tout à l'heure. En fait, c'est moi. C'est moi sur les trolls. Du principe que le port c'est bon. Le T. Par contre, je crois que le mec que j'ai buté, c'est un mec de l'infanterie de marine. C'est pas de l'armée régulière. Vous avez toute leur flottissier qui a été cloué. Pas le port, après, c'est bon. Vous avez ce qu'on va dire. Je contacte le tuyau pour leur dire que le port c'est bon. Ouais, dis-leur que c'est bon et si on peut avancer ou si on doit tenir la position pour l'instant. Ça marche. QG de faire activité à vous. De faire activité, soyez avisé que le quartier du port. A été pris, mais ce on dit, on a repéré les pressions. Putain, y'en a trois qui viennent de passer quoi. L'axe qui part vers le nord et longe ensuite les quais. À vous, vous T'as des alliés. Je les ai éclatés. T'as des alliés ? Bah ouais. Je crois que c'est la FS. Bah ouais, mais faut dire quand ils se pointent. Bah ouais, mais bon, c'est rare quand ils font joujou sur les toits de fois en fois en simulant des poches de résistance. Parce qu'ils vont plus trop de vers ce qu'ils font, donc pour qu'on va se passer le tir, c'est la seule façon de leur part. Ah, il a dit quoi, tout QG, t'as répondu? Et peu importe, et du coup, faut pas faire attention au tir. Il a poussé. Il était pas dans le port, il était par là. Ouais, mais quand il est pas dans le port, c'est pas le principal. J'en sais rien, mais on pouvait appuyer plus plusieurs fois. À gauche, il y a du monde dans ces hangars là, ça retire en toute direction.
Venez à l'infanterie, on passe vers le char, on va le nettoyer encore. Ok. C'est bon. Voilà, gauche du port. Et c'est là où ils ont placé. Allô ? Oui, bonjour, merci d'établir le contact. Il y a des trois, il y a des ennemis dans votre quartier ? Bah parce que en fait, c'est une ville, il y a 30 secondes, on s'est fait mettre deux zones à terre par un mec qui était sur la ville. Ouais, bah j'ai tellement d'ouverture à ma gauche, de toute façon le choix est fait à trouver dans tous les cas.
sur l'axe principal, il y a un barrage avec un blindé élu. On reste ici, si je peux dire attendre. Non, c'est bon. Sans joie. C'est pas grave.
Elle est vide la rue d'à côté. Y'a rien dedans. Non, à droite c'est clean. Ça sert à rien du tout. C'est pas qu'une impression. Bon, y'a rien. Le blindé il a bougé hein. Je trouve que ça tirait depuis le garage. Ouais. Ouais. Il a tiré dans le garage. Après, il n'est plus pas trop mal, c'est plus de la rue. Là. Thank you.
attention derrière nous. The fuck. Ils sont pas du tout sécurisés les axes en fait. Non mais c'est n'importe quoi ces outils. C'est plus mal organisé. Oh, c'est plus mal organisé que. On a la droite, non, on a la droite. Moi j'ai les infos, Erai, t'as entendu Cowboy, il n'y a pas de mec qui arrive par le nord. Le sud, tant que c'est des motos, ça va aller. À droite, ouais. Il est à droite, droite. Mais non, non, il y a un blindé à droite. Apparemment, il y a véhicule à droite. Les Snowy Qs sont partis chercher apparemment, donc t'emmerdes pas. Il est où Qs? Parti avec les Snow chercher le PT-76. D'accord, apparemment bien plus difficile pour elle. Fait demi-tour.
Personne à RPG là. Apparemment les sources de mon cratère de Sud Vitus, parce que j'ai aucune nouvelle idée. Touché. Ils vont s'en occuper après d'aller mettre derrière. C'est bon, vous pouvez sortir. Je brûle. À l'aide. Non, non, je suis en train de cramer là, tu vois pas, il y a fait un petit moivron dans la gueule. Les caps à l'aide du coup ça. Attends, pas tout de suite. J'aurais essayé de faire des coups dessus. On sort de là. Ouais, ils sont fous. On peut plus clair. C'est en ce moment Marseille. Mais terre avec les déterminés. Yous. Oui. On a un bâtiment nettoyé. On prend la grande route par à droite et on va trouver un bâtiment qui est à l'est de la science suisse. Ok, ça marche. Bon, ben on y va. Tango. D'après le sujet, on devrait rencontrer assez peu de résistance à l'intérieur. Jusqu'au bas. En tout cas, tous les bâtiments droits ils sont occupés. J'ai tué je sais pas combien de connards depuis là-haut, mais... Il y a des mecs qui vont, on essaie de s'attacher à la pique. Ah ouais, il est plus blindé de chez blindé. Tu peux me mettre ouais, ouais, vas-y. Tu veux une picouse? Ouais. Décale, on va j'ai pas utilisé la mienne donc tiens, prends ma picouse. On va pas passer par là, il va falloir qu'on fasse le tour avec eux. On va faire un tour à droite. Tango, tu gardes le 18 sur le bunker.
m'entends? T'as tous les bâtiments en haut en plus, bordel. On va monter par en haut, donc on est... Comment on passe par là? Boost presque. Non. Je me suis juste appuyé derrière parce qu'on me fait canarder la gueule par un mec au silencieux. J'essaie d'avancer jusqu'à la maison en fait. Bien joué. Tant que faire se peut, ouais. De tirer plus sur le bunker pendant on approche. Thank you.
pas le labyrinthe quoi. T'en as à l'angle droit. T'as son G3 qui dépasse. Trop loin. Bon vas-y, on sert plus à rien ici. Elle s'en est pris une. Je sais pas, j'ai pas vu. J'ai qui en haut, mais je. Ah bah, par là. Ça va pas nous arriver de la droite, mais peut-être qu'à faire moins. Ils vont se mettre en au niveau des camions qu'ils ont flagués. Je vais même lui dire de se mettre à haut niveau, il aura un bon visu depuis le haut. Ouais, avec l'arme. J'avoue que le visu est pas top ici. Hein. Bah, c'est dégueulasse, tu vois le grand axe là. Ouais, je vois le grand axe, mais bon. Pour un AT-64, c'est pas si moche, non ? Ah, mais c'est bon. Ah. Reviens. Les fesses sont revenues. C'est quoi ce lap là? Tu vois des fesses qui passent par dessus les murs. Hein. The fuck? Putain, mais vous avez pas clé le bunker? The fuck? C'est pas nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau? Non, c'est pas nous. On va laisser les faire. Ah, on a juste. Oui, petit, le gros mot, il y avait aucun accès extérieur, le seul moyen de sécurité, c'était par là où on est passé, on faisait tout. C'est quoi le gros bunker? Ah, mais on pouvait passer la dé. Le plus gros, tout ce que j'ai fait c'était pas lancer une grenade dans la partie là où vous êtes. Non, c'est le bunker là où nous marchons, on a fait pour le voir en attendant. Tout ce que j'ai fait tout à l'heure, ça peut lancer une grenade dans la partie là dedans. Du coup, il y avait le coup de la clé. Ah, bah on a pas mis une priorité. Mais avec les sorties en volant aussi, tu as du portage. Ah, on l'a entendu. Ah, tu vas voir maintenant. On va tuer les officiers du 7 de c'est celle par laquelle on arrive. Ok.
Bon bah je contacte le QG, je leur dis que les officiers sont morts. Ouais. La forêt, la. Qui est mort? L'explosion. Ouest. Bon, un peu, il y a les FPS qui traversent à gauche. Vous l'avez vu, là, c'est vu. Ça va. C'est vu, c'est déçu. Je crois que j'ai gagné. En fait, on est vraiment dans une position de merde du coup. Je vais sécuriser mon kill quand même. Soyez avisés, il y a l'immeuble Azimut 56, il y a un immeuble 3 sur le boss. On va pas pouvoir rester là les gars. Reculez, reculez. Plus de moteur. Et juste le tireur. Moteur qui dégage. Ça passerait pas. Bon, on sait rien, il y avait juste le conducteur. Ah, il y en a d'autres trop loin. Je sais pas, j'ai pas poussé assez loin pour savoir. Je pense pas trop. Il y a des roquettes sur celui-là, si tu veux. Je suis cool. Je vais en mettre dans le véhicule. Attends, attends, c'est quand même explosé. Mais... Eh bien, voilà donc ce qui conclut cette campagne. La ville est prise malgré de lourdes pertes. Le lendemain, le général Akuponui, qui était précédemment capturé par les forces spéciales est-allemandes, s'exprimera sur toutes les ondes et appellera à la reddition. Plus tard, cette soirée-là, c'est officiel, la guerre est gagnée par le pacte de Varsovie. Mais cette guerre sans queue ni tête a coûté très cher au pays du pacte. Merci à vous d'avoir suivi cette campagne, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle campagne Vietnam sur le Community DLC Prairie Fire. Et d'ici là, portez-vous bien.